Dolce Francia, caro paese d'infanzia. Ambiance tamisée, il faut dire qu'on est un peu à la maison. Les amis, comme ce soir-là, Michel Alliot-Marie, et la famille qui se relaie pour soutenir Carla sur ses premières dates. C'est Forza Italia. Ma tante, ma cousine, mon fils et mon mari, bien sûr. Il me transmet en fait de la confiance. J'arrive à toi par miracle. Elle en avait besoin, elle est un peu traqueuse. Ses dernières apparitions sur scène, c'était en 2004 et encore. J'étais épisodiquement montée sur scène pour une ou deux chansons. Ouais. Non seulement ça faisait longtemps, mais je ne l'ai jamais beaucoup fait. Mais moi je ne suis pas là, non. Je suis chez Keith et Anita. Heureusement, les petites ritournelles de Carla font mouche auprès d'un public acquis à sa cause. Elle est très bonne, elle. Elle transmet beaucoup d'émotions dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle dit. Je suis venue voir aussi l'ex-première dame, parce que je l'adore et j'adore Nicolas. Reviens Nico. Pas de chance, l'ancien président était absent ce soir-là. Et si certains murmurent qu'il prépare son retour politique, l'ancienne première dame se garde bien de commenter. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est vraiment heureux. Comme ça aujourd'hui. Ouais. Vraiment, ouais. Avec Carla, il faut savoir lire entre les lignes.